Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous dans sa présence. Doucement. Doucement. Et le frère Chris Victoire, il a déjeuné du format, il a trouvé la stratégie. Il a mis sur ses genoux sur le sac. Pour que ça amortisse un peu le choc. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Saluez quelqu'un à côté de vous, tout juste étant assis. Saluez, dites bonsoir. Saluez, saluez-vous. Devant derrière, dites bonsoir et bienvenue dans sa présence, dans sa sainte présence. Demain, nous commençons les trois jours de jeûne à sec, n'est-ce pas? Jusqu'ici, donc, qu'est-ce que le Seigneur vous a montré personnellement? Parce qu'il était question que Dieu vous parle. Parce qu'on a deux volets. Le volet de votre propre vie spirituelle, puis le volet du... Il faut prier pour la belle-mère de notre frère Donatien. Prions. Prions. Qu'est-ce qui est arrivé là? Prions, prions, intercédons pour elle, pour son âme. Pour son âme. Waouh, waouh, waouh. Prions que le Seigneur rachète son âme. Il y a quelque chose devant nous qui se passe devant nous là. Il parle de la belle-mère du frère Donatien qui se trouve présente devant nous là. Prions. Prions pour le salut de son âme. Que le Seigneur lui fasse grâce, lui fasse miséricorde. Et ça, c'est quoi? Si c'est changeable, c'est possible. Tendre Père, étends ta grâce dans la vie de cette femme. Seigneur, tu sais pourquoi tu demandes la prière. Nous prions au Dieu de gloire, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve maintenant, Seigneur, que ton nom seul soit élevé. Nous prions au Dieu que tu étends ta grâce dans sa vie, que tu étends ta grâce, Père de gloire, pour son âme. Seigneur, délivre-la au Dieu de gloire de toute difficulté dans laquelle il se retrouvera maintenant. Mon Dieu, nous nous soumettons entre tes mains, Père. Nous soumettons cette assemblée entre tes mains et d'un seul cœur, Père de gloire, nous venons au Dieu devant le trône des grâces pour cette maman. Seigneur, tu sais c'est par quoi elle traverse. Je te prie, au Dieu de gloire, que tu étends ta grâce dans sa vie. Je prie, Père de gloire, que tu étends ta grâce dans sa vie. Et que son âme soit entre tes mains. Nous soumettons, au Dieu de gloire, sa vie physique et spirituelle entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois son secours. Sois son secours. Viens lui en aide maintenant. Viens lui en aide maintenant, Père de gloire. Et suis les larmes de cette famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Le frère de Nassé, qu'est-ce que... Ta belle-mère va bien? Si tu as voulu parler de nous, là, et puis subitement, c'est quelque chose de venir vers toi de ce côté-là. Donc, je t'en ai dit que le but, le jeûne avait deux volets. Le volet pour notre propre vie spirituelle, que le Seigneur vous parle. Et pour la vie spirituelle maintenant du pays. Et c'est pour cela que nous entrions, après le troisième jour de jeûne, nous continuons dans la phase par rapport à la prière pour le Cameroun. Souvenez-vous que le Cameroun se trouve dans la phase de la confrontation Moïse et Pharaon. Donc c'est sa position là, Moïse et Pharaon, il faut qu'un peuple soit libéré. Donc il faut que là, il faut qu'il y ait un Moïse, là il faut qu'il y ait un Pharaon, là il faut qu'il y ait les conseillers de Pharaon. Puis il faut qu'il y ait un Josué qui fait entrer le peuple en Égypte, à Canaan. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, qu'avez-vous reçu du Seigneur? Qu'avez-vous reçu du Seigneur? Donc, vous voyez que le temps de la peur de parler, ça a cessé maintenant dans ce pays. Ça a cessé.
pas ceci. Donc d'abord, priez pour le Cameroun, priez pour les chefs militaires. Les chefs militaires, d'accord. Ajoutez à ce sujet de prière-là, les chefs militaires. Vous vous souvenez, en 2011, je vous avais parlé des militaires. Je vous avais dit ces choses-là où j'ai vu un militaire qui porte la tenue de l'armée. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? La tenue de l'armée. Et puis, il s'avance vers son frère. Il se trouve dans des situations, dans des tensions, dans la brousse. Et puis, celui qui le voit venir sait effectivement qu'il s'agit de son frère. Et puis, j'ai vu comment celui-là s'est avancé. Là, il lui a fait du mal. Il dit, mais comment se fait-il qu'ils sont dans le même camp? Il lui fait du mal. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, prions que cette chose qui est censée arriver sur le Cameroun ne crée pas de tension entre les militaires. C'est ça qui va encore ajouter le feu là-bas à la poudre. Parce que vous comprenez, qu'il y ait des clans dans l'armée, dans les dispositifs sécuritaires du Cameroun. Donc, ajoutez à cela, parce que ça, c'est l'une des composantes qui risque de créer des problèmes. Que l'armée ne s'implique pas. De souvenez-vous, je ne suis pas en train de dire que l'armée va prendre le pouvoir. Ils ne prendront jamais le pouvoir. C'est ainsi dit le Seigneur. D'accord? Donc, l'armée ne prendra jamais le pouvoir. Alors, il parle de cette tension, ce qu'il parvient, pour qu'elle puisse parvenir à manigancer et créer les paniques. Qu'il y ait la cohésion entre les différents composants. Parce qu'il y a des chefs militaires là, contre les chefs autres militaires, qui ont des comptes à régler. Leur règlement de compte ne doit pas être pour détruire la nation. Le pire des scénarios, ce sera ça que l'armée se lève et qu'il y ait des divisions entre eux, cette chose-là, et que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc prions pour que les chefs militaires, qu'il n'y ait pas de tension entre les chefs militaires. Quand dans une armée, il y a déjà l'indiscipline au point où un ordre est donné par un chef et un autre chef donne un autre ordre qui lui est contraire, c'est un problème. Donc, c'est ce qu'il peut dire là-dedans. Quand deux hommes, des chefs militaires sortent contradictoires, et quand on dit à l'autre, notre chef se dit au groupe militaire, faites ceci, et notre chef de militaire dit, c'est ça que je viens de dire. Vous voyez la tension que ça peut être sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, prions pour qu'il n'y ait pas de tension entre les mains de l'appareil sécuritaire. C'est que les armes seront dressées contre les armes du même pays et des mêmes extampilles. Ceux qui ont les mêmes tenues vont s'élever les uns les autres. Et ça va créer des situations complexes. Donc, qu'est-ce que Dieu vous a montré? Si vous n'avez pas de sujet, ou bien si vous avez des choses, si c'est d'autres privés pour vous, gardez-les pour vous. Si vous avez, le Seigneur vous a-t-il montré quelque chose pour le pays? Mes frères et les sœurs, vous êtes dans le jeûne et la prière. Vous priez conformément à ce qui a été donné, n'est-ce pas? Le Seigneur vous a rien montré. C'est quoi, frère? C'est les visions. Une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles. Voilà. Donc, je crois que c'est saisi ici. Là, c'est une autre Bible alors maintenant. Alors, y a-t-il des choses que le Seigneur vous a montré? Ça va les bébés? Vous allez prier, vous êtes le Cameroun de demain, d'accord? On va prier pour le Cameroun. Le Cameroun sera bien, d'accord? Vous allez bien vivre, d'accord? Vous allez servir le Seigneur, non? Comment tu t'appelles? Priscilla. Oui. Ça c'est bien. Et toi? Uriel. Tu vas servir aussi le Seigneur, n'est-ce pas? Tu aimes le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mais à la maison, il faut toujours prier quand tu veux manger, n'est-ce pas? Tu peux prier, non? Oui. Tu aimes le Seigneur? Oui. Voilà, qu'il vous bénisse, d'accord? Priscilla et Uriel. Oui, oui frère, tu voulais... Comment vous levez la main comme ça? Moi, je suis étonné de vous. Vous êtes dans la période de jeûne. Il vous pose la question dans la liberté. Dieu vous a-t-il montré quelque chose? Vous restez comme ça. Dieu vous a-t-il dit quelque chose? Vous restez comme ça. Vous voulez que j'avance? Il y a des questions là-bas que les gens ont posées.
J'ai dit qu'il y a des miracles comme je n'y parle plus. C'est le dernier qu'on a parlé là-bas. Il n'en parlerait plus. Donc chacun préparez-vous seulement maintenant. Après qu'on aura fini de ce moment-ci, fermez maintenant les jeunes. On commence maintenant pour l'église. Pour nous maintenant à l'intérieur. Parce qu'il faut se préparer à ce qui allait arriver après cela. Il y aura les tensions dehors. Mais il faut que ceux de l'extérieur, de l'intérieur de l'église, puissent être au courant. Vous savez déjà ce qui va arriver. Vous savez déjà ce qui va arriver. Quand ça va commencer à se manifester, à partir du 1er août, à partir de août, vous allez savoir de quoi il est question. Mais quel qu'en soit ce qui va arriver, ne craignez pas. Vous qui priez, ne craignez pas. Ce sont les gens de l'extérieur qui seront dans l'incertitude. Parce qu'il y a certainement des gens qui écoutent comme ça. Quand on fait, on les pose en main sur Internet, ah, qu'est-ce qu'il a de raconter. Quand ça va arriver, quand ce sera dedans, quand on va commencer à appeler, on va savoir ce qu'il va arriver. D'abord, vous allez vous entendre Orange transférer votre affaire dans la boîte de messagerie. Parce que ça, c'est, le carreau sera cuit. C'est le moment. Donc, n'essayez pas de dire que, non, que c'est le Seigneur fait qu'il n'y ait pas la guerre au pays. On ne parle pas de la guerre, on parle de turbulences. Des annales secours. Ça doit être là. Ça doit être fait irrévocable. C'est la manière de passer par la zone de turbulence qui est le problème. Donc la turbulence est prévue. Dans le décret du Très-Haut, c'est écrit que le Cameroun doit passer par les turbulences pour que cette histoire s'équipe. Mais c'est la manière de passer par les turbulences, les portes de sortie, les solutions de sortie. C'est ça dont il est question. Vous suivez, n'est-ce pas? Quand vous arrêtez, ne mettez pas vers vous. Je crois que c'est... Elle a dû annuler là, ça n'enregistre plus. Ici, il y a une question. Bonjour, bien-aimé. Que signifie être intègre et juste, juste selon l'éternel Dieu? Bonne question, on va examiner ceci. S'il vous plaît, quelqu'un peut me donner une Bible? Une Bible. Gardez les enregistrements tels que c'est donné. Comme ça, si je suis sur la tête, vous voyez quoi c'est ce que cette voix-là a dit. Ouvrez votre livre dans le livre de Jérémie, chapitre 38. Quoi qu'il y ait encore une autre longue question, si nous allons examiner ça, c'est quoi que c'est pas cette direction ce matin. Jérémie, chapitre 38. Souvenez-vous, Dieu suivait tous vos mouvements. C'est tout ce qu'il peut dire maintenant. Tout ce que vous faites. Souvenez-vous seulement. Jérémie chapitre. Je dis quoi? Combien? 38. Excusez-moi là-bas. Notez également le chapitre 30. Notez le chapitre 30, verset 18. Comme ça, tu vas arrêter ça là. Tu lis avec ta petite soeur, d'accord? Ouvre alors, vous lisez. Léa, ouvre alors. C'est la Bible, non? Jérémie, chapitre 38, je vais lire à partir du verset 1. Notez Ésaïe 53 et Actes, chapitre 10. Oh mon Dieu. Ésaïe 53, Actes chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 1, vous y êtes? Donc je dis Ésaïe 53, Actes chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 1. On va commencer par là. Regardons ici. Chapitre 38 de Jérémie. Et vous notez aussi le chapitre 30, verset 18 à. À 24. Shepatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pachour. Jokal, fils de Shelemia, et Pachou, fils de Malkija, entendit les paroles que Jérémie adressait
à tout le peuple en disant: ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi: que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple et il ne veut que son malheur. Le roi Sédécia répondit: voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Malkija, la cour du fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi: ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien: prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Gardez-vous à l'esprit, si vous avez lu le livre de Jérémie, gardez-vous à l'esprit le roi Sédécia, d'accord? Si vous avez eu à lire tout le livre de Jérémie. Le roi donna cet ordre, je crois que nous avons lu ça, verset 10, 11 maintenant. Et Ben-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons. Elle est descendue à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie: mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Il tira Jérémie avec les cordes et le fit monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Maintenant, verset 14. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie, le prophète, et le fit venir auprès de lui dans la troisième année de la maison de l'Éternel. Quoi? Dans la troisième entrée de la maison. Cette Bible, c'est comment est tellement petite aussi. Dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie: j'ai une chose à te... Écoutez bien maintenant. J'ai une chose à te demander. Ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécias: si je te l'ai dit, ne verras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant: l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors à Sédécias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais, vous voyez là, n'est-ce pas? Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Le roi Sédécias dit à Jérémie: je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne les livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Soulignez le verset 19. Verset 20. Oui, ça c'est la période de... C'est pour le pays que nous sommes en train de travailler là. Quand je vais me tourner du côté de l'église, on a du travail. On a du travail, il arrive avec nous. Verset 20. Jérémie répondit: on ne te livrera pas. Écoutez bien.
Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je t'ai dit. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Écoute, Jérémie dit, écoutez, on va continuer sur le verset 21 là. Sédécias remplace un autre roi. Et Jérémie, depuis le premier chapitre, Dieu lui a dit que j'étais un pour que tu annonces ces choses-là, tu détruises, tu construises, tu bâtisses, tu fais ces choses-là. Il dit au chapitre 18 que, et soudain, je dis d'un royaume que ça soit abattu, c'est abattu. Que ce soit planté, ce soit planté. Mais Jérémie avait peur parce qu'il connaissait justement l'idolâtrie des Juifs et la violence qu'ils avaient de détruire les gens. Il avait peur de parler. Dieu dit que je serai avec ta bouche. Maintenant, regardez, imaginez-vous un peu le prophète Jérémie souffrant. Nous sommes au chapitre 38. Regardez tout ce qu'il a traversé. Les rois sont morts, d'autres ont été changés. Celui-ci et ils ont vu ce que Nebuchadnezzar a fait. Ils ont vu ce que le roi Nebuchadnezzar a fait. Le prophète Jérémie n'a pas changé son message. Le voici, il prêche. Dieu lui dit que va à ceux qui entrent dans le temple et dans la ville de Jérusalem. Prêche, dis-le, ainsi parle l'Éternel. Il devait rester là où il y a les gens, quand les gens entrent. Ainsi parle l'Éternel, vous qui entrez par les portes de Juda, par les portes de Jérusalem. Rendez-vous à Nebuchadnezzar. Entre temps, l'armée en train de donner des stratégies que quand ils vont venir, on va mettre quelqu'un comme ça là. Les chefs et les conseillers vont voir le roi. Ils disent que cet homme, si c'est fait, c'est pas bien. Il a dû décourager le peuple. Vous voyez cela? Même les gens de l'armée qui devaient faire. Nebuchadnezzar va vous vaincre. Vous voyez donc que dans une nation, souvenez-vous, il y a le volet physique, il y a le volet spirituel. Ce que Jérémie était en train de dire, c'est la vérité et le décret du Très-Haut. Ce que les gens, les autres personnes disaient, c'est les stratégies apprises dans les écoles de guerre humaine. C'est les stratégies, ils appellent ça la géopolitique et les géostratégies. Vous allez le voir sur les antennes. Les gens vont s'asseoir, vont dire que celui-ci est un professeur agrégé de la politologie, politologue. Il va vous donner classé. Mais quand vous dites n'importe quoi, ça peut être bien dans le discours. Mais si vous ne connaissez pas la pensée de Dieu derrière quelque chose, vous avez l'ordre de 1. Ça fait 0. C'est la pensée de Dieu qui clôt. C'est pour ça que vous allez voir au Cameroun, vous allez voir, les gens vont se lever, vous allez entendre les soutiens. On dit que non, nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous. Que la sous-section RDP, CDC est derrière vous. Monsieur le Président, vas-y. Son esprit a été ouvert par Dieu pour entendre le décret du Très-Haut. Alléluia. Son esprit a été ouvert par Dieu pour entendre le décret du Très-Haut. Les voix des motions de soutien ne seront pas entendues cette fois-ci. Vous voyez? Et même, de la même façon comme le premier parti du Cameroun, le parti unique a disparu, de la même façon le parti de flamme disparaîtra. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Voilà. Ça disparaîtra. Sinon, que veut dire les flammes de feu d'entre les mains? Donc, l'heure arrivée où l'eau de la parole éteint le feu qui brûle les mains du Cameroun. Amen. Voilà. Alors le prophète Jérémie se tient là et il parle. Vous avez suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc, le parti des flammes disparaît. Ça disparaîtra. Et toute tentative et toute velléité de pouvoir construire, reconstruire ces parties, en tout cas que quelqu'un se lève et essaie de construire, c'est sa vie qui en donnera. Exactement comme Josué a dit que quelqu'un qui va bâtir cette vie, s'il donnera son premier nez, il va mettre la fondation avec son deuxième nez, que quelqu'un tente de le faire, il en paiera de sa vie. Cette flamme-là a assez brûlé les mains du Cameroun. N'est-ce pas, frère? Vous me comprenez, n'est-ce pas, frère? Tout ce monde, si vous ne comprenez pas, vous n'appartenez pas à la flamme. Donc, Jérémie donc transmet le message, il se tient là. Il dit un message concernant le roi, concernant le pays. Les gens devraient se poser la question, premièrement, qui est cet homme? Cette question si seule devrait suffire pour écouter la direction, pour essayer de prêter l'oreille là-bas. Regardez depuis le chapitre 7, où il n'a cessé de leur dire, repentez-vous. Et Dieu lui-même, il intercède pour le peuble et Dieu lui dit que n'intercède pas pour ce peuple, il ne te ferai pas favorable, il ne t'écouterai pas. Au chapitre 15, il dit, même si c'est Samuel ou bien Moïse qui se tient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Au-delà de devant ma face, c'est l'une des choses pires choses qu'un peuple puisse avoir. N'ayons pas l'intercession devant Dieu vis-à-vis d'un peuple. S'il n'y a pas d'intercesseur, c'est-à-dire que quelqu'un se tient à la brèche pour le peuple, ce peuple est voué à la destruction. Dieu a dit, ôte ce peuple devant moi, je vais les détruire. La correction devrait venir, la correction. Il fallait que la correction passe. Les Juifs devaient passer par là. C'était leur zone de tribulation. Il fallait qu'ils passent par là. Il n'y a pas de remède.
Ça veut dire que Dieu avait fermé le secours pour la repentance. C'est pour ça que vous voyez là, le message de Jérémie n'a jamais eu de repentance. Pas vrai, frère? C'était l'époque. Donc, il a prêché. Vous allez remarquer là-bas, il va dire que depuis 23 ans qu'il veut parler. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression qu'il a parlé le lendemain. Il a prêché pendant 23 ans. Il se lève chaque matin, il dit que repentez-nous, tournez-vous vers Dieu, faites-vous un cœur nouveau, faites-vous. Le matin, il part encore, il dit la même chose, aucun converti. 23 ans. Combien, frère? 23 ans qu'il passe le temps à crier. 23 ans, c'est le jour, je t'en ai dit selon la Bible, selon le jour où il est en train de dire que ça fait 23 ans que je vous parle. Parce qu'il est passé à votre au moins 4 rois. Donc 23 ans, c'est le moment où il a commencé à dire que merde, je vous parle depuis 23 ans, le matin, le soir, vous ne comprenez pas. Donc la prédication du matin au soir, aucun converti. Imaginez bien cela. Pourquoi? Parce que les gens, remarquez bien ce que le roi l'a dit tout à l'heure là. Le roi l'a appelé, j'arrive à ce niveau-là, le roi l'a appelé et lui a dit, dis-moi franchement. C'est pas ce qu'il a dit, frère. Ne cache rien. Jérémie lui a dit quoi? Si t'es dit, tu vas me tuer. Parce que ce qui va sortir ne te plaira pas. Les gens aiment que quand on dit, oh monsieur le président, vis éternellement. Tout le monde t'aime, hein? Tu ne vois pas tes photos dans un bureau. Tous les bureaux ont tes photos, l'idolâtrie. Parce que c'est pour que tu sois omniprésent dans la pensée des gens. N'importe quoi. Si la route se garde quelque part, ils vont dire que c'est le président qui va donner le décret pour qu'on puisse soulever la route. Vous avez des problèmes. Des problèmes. On construit un pont quelque part, il faut que c'est le président qui vient pour inaugurer pour que ça passe. S'il faut donner le tracteur quelque part, il faut que ce soit le président. S'il faut donner le bout de Dieu, on dit que c'est le président qui a donné. Même l'ordinateur, il faut que ce soit le président. On balaye la route pour que ça passe bien. On dit que notre chef d'État a donné la route, que les gens de Isaacam, de ceux qui balayent la route. Il faut que le président dise ça pour qu'on balaye. On a été enfermé dans un système de ténèbres. L'heure est arrivée. C'est terminé. Amen. C'est terminé. Terminé. Donc, cette fois-ci, les gens auront la haine pour travailler. Et l'amour pour le pays. Vous voyez, chaque personne à tous les niveaux, c'est la corruption. C'est corrompu. Tous les niveaux. Mais c'est l'esprit de l'époque. Mais l'heure est à la repentance et à la préparation. Dieu merci que le peuple est à l'écoute. Ça veut dire que nous tous ne sommes pas fermés comme le cas de Jérémie. Mais regardez, ces choses sont écrites là pour nous montrer des exemples. Alors, première chose que nous voyons là-bas en lisant la Bible clairement ici, nous voyons un roi physique qui est attaqué avec un autre royaume et dont le spirituel est pleinement mêlé et sous le contrôle du spirituel. Donc c'est le spirituel qui gît et régit tout. N'est-ce pas? Mais maintenant, ici se trouve donc l'un des importants messages de la Bible qui montre clairement la difficulté qui est entre faire comprendre le règne animal, le règne des humains, que c'est le Très-Haut qui domine. Voilà la plus grande des difficultés. Vous pouvez prêcher des messages que je crée moi sur la croix, vous discutez au haut de là-bas. Mais ici, amener la volonté de Dieu pour dire, en réalité, ce qui est arrivé là, c'est Dieu qui veut. Quelqu'un va te regarder comme ça, vous êtes forcément dans votre tête. Voici Dieu. S'il y a un message qui est terrible, c'est ça. Comment Dieu qui a dit à Salomon que non, c'est toi qui vas bâtir le temple, dit clairement que j'ai envoyé Nébuchadnezzar pour détruire et mettre le feu là-bas. Ça ne se comprend pas, ça ne passe pas dans la tête des Juifs. Ils savent que Dieu est le Dieu d'Israël. S'il y a quelqu'un à défendre, c'est eux. Dieu ne te défendra pas si tu es du côté des ténèbres. C'est pour ça que l'une des choses que le nouveau président doit faire, c'est d'éviter les loges. Il entre dans les loges, j'avais dit que c'est un bon antichrist. Peut-on éviter cela? Donc, le roi appelle secrètement. Regardez très attentivement, l'entrevue, c'est pas secret. Donc, c'est lui à lui. C'est de deux à deux. Mais maintenant, avant cela, les gens viennent, ils disent au roi que cet homme s'y décourage le peuple. En disant comme ça, on est en train de décourager. Pourquoi la voix sort? En disant ainsi par l'Éternel, soumettez-vous. C'est pour que quand ça arrive, qu'on ne dit pas que Dieu n'avait pas dit. Dieu donne toujours la direction. Il n'y a pas quelque chose de grande envergure dans un pays qui puisse arriver sans que Dieu ne donne la direction. Dieu donne toujours la direction. Mais comme sa direction est toujours et très souvent contraire à ce qu'on voudrait faire. Parce que si vous réunissez les scientifiques là-bas et que Dieu donne l'idée que les scientifiques ont été donnés, c'est que ça veut dire qu'on n'avait pas besoin absolument de Dieu. C'est que les scientifiques pouvaient délibérer. Pas vrai? Mais le vrai problème, c'est que les scientifiques vont s'asseoir là-bas. Décider quelque chose que stratégiquement parlant, on a vu dans le cadre des procès, des Gbagbo, que telle chose s'est passée. On a pris en procès telle chose, on a pris le plan machin initialement, on va appliquer ça ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en tant qu'humain? Ils vont prendre ce qui a été là et puis le reproduire. Mais Dieu appelle des choses qui n'existent pas et ça vient à l'existence. Amen. Parce que en réalité, les gens ne comprennent pas que les événements
sont en train de suivre les événements, cette fois-ci de façon globale, sont en train de suivre un rythme logique dans le plan de la rédemption. C'est-à-dire, on est en train de parcourir, il y a un système qui a été changé sur la terre pour introduire un nouveau système qui va conduire le peuple et aux réalisations des prophéties bibliques. C'est pour ça que c'est pas juste qu'on a changé un président au Cameroun. Attendez, quand ça va finir, Dieu va se tourner dans le cadre de la Guinée équatoriale. Il y aura basculement là-bas. Regardez, observez bien, la tempête va couler par là-bas. Ça sera, vous avez dit, il est temps de parler de quelque chose. Et puis il dit que non, laissons la Guinée équatoriale, concentrons-nous ici. D'accord? Ça va couler là-bas. Parce qu'il y a un de ces jours, j'avais dit ici que c'est worldwide. Donc ça va balayer toute l'Afrique. Ça va parcourir toute l'Afrique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parcourir toute l'Afrique. Qui sont n'importe où. Là où il y a la peau noire, Jésus est en train de les visiter. Amen. Là où on a dit ça au premier, Jésus est en train de les visiter. Ils vont être restaurés. Je crois qu'en 2015, je vous avais dit qu'il y a des gens qui vont rentrer au pays sans savoir pourquoi ils sont rentrés. Et je vous avais dit que l'heure est arrivée où les Blancs viendront chercher du travail. Je peux le dire, là, vous dites, qu'est-ce qu'il a de raconter? Qu'est-ce qu'il a de raconter? Et même, ils rentreront en contingent. Ils rentreront en contingent. Les Noirs viendront en charter. Ils vont revenir dans leur pays. La question c'est, à l'issue de toutes ces rentrées, de toutes ces stabilités, c'est où est-ce que ça nous amène? Au juste. Lisez bien la Bible, vous regardez la prophétie biblique concernant l'Afrique. Nous sommes en train de les vivre clairement. Donc, vous lisez la Bible, vous lisez ce que les prophètes ont dit, parlant de l'Afrique, nous sommes en plein là-dedans. Parce que l'une des choses que vous faites, c'est que vous lisez la Bible, vous ne savez même pas ce qu'on parle de l'Afrique. C'est que Dieu a dit, on dit que non, Dieu, Jésus était mort à la croix, c'était. Jésus va venir dans les airs. Qu'est-ce que Jésus a dit de maintenant? Là, c'est la difficulté des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que sa voix dit, quelle est la période dans l'histoire de Dieu? C'est que Dieu est en train de faire, qu'on est en train de vivre. Il avait prévu de restaurer l'Afrique. Parce qu'il avait dit clairement qu'il devait soumettre l'Afrique à la colonisation. C'est écrit dans votre Bible. Vous savez ça? Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais vous lisez donc quel genre de Bible alors? C'est écrit là-bas, noir et blanc, qu'il devrait les soumettre dans l'esclavage d'un maître qui est plus fort que lui. Mais plus tard, il dit qu'il va les restaurer. C'est l'heure là maintenant. Dans l'heure de. C'est pas l'histoire de la France. Vous voyez, une fois de plus, on se retrouve là-dedans. Quand les colons viennent, on dit oh non. On a toujours cette psychose-là. Que non, Léopold II a dit qu'on donne la Bible, on fait que ça. On prend les amulettes. C'est Léopold II qui a fait. C'est pas Léopold II. Tous sont dans le plan de Dieu. Ah non, vous avez suivi le discours de Léopold II, roi des Belges. Celui qui a dit que non, n'apprenez pas à l'Africain de Dieu parce qu'il les connaît déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donne la Bible pour prendre quelque chose. C'est pas lui. Souvenez-vous, quand Ponce Pilate se tenait devant Jésus. Il lui a dit, ne crois-tu pas que je sois capable de te livrer aujourd'hui? Il a dit que tu n'auras aucun pouvoir, sinon ce qui t'a été donné Dieu. Jésus vient d'informer Pilate que ce qu'il a accompli, c'est les décisions du ciel. Mais Pilate, il lui dit, il croit effectivement que c'est un personnage comme un personnage ordinaire, qu'il est en train de faire les actions, comme il tire au sort, il fait ses jugements, et puis il rend le verdict. Ce verdict-ci est décidé depuis le ciel. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Il se retrouve donc dans une période où il est censé accomplir quelque chose. Et dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, vous voyez effectivement l'apôtre Pierre va reprendre encore cette même psaume-ci. Dans le psaume 2, il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de David, ton serviteur, que pourquoi ces tumultes parmi le peuple, ces vaines idées parmi les nations, pourquoi les rois de la terre, en effet, dans cette ville, puis il dit, en effet, dans cette ville, Pilate et Hérode se sont levés pour se liguer contre ton soin, contre ton Seigneur, que tu as oint. On dit quoi? Selon le quoi? Selon le conseil que tu avais quoi? Que tu avais arrêté d'avance. Donc Dieu avait arrêté d'avance qu'il y a un monsieur qui s'est levé sur la terre, on l'appelait Pilate, dans la période d'Hérode, et ce sont eux qui vont prendre la décision. Mais pour sur la terre, ils le font naturellement. Naturellement. Alors le Seigneur a dit dans sa Sainte Écriture qu'il devrait soumettre l'Afrique. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu avait dit que ce que les Africains adoraient, c'était de la sorcellerie, c'était des idoles. C'est ce qui est écrit dans votre Sainte Écriture par rapport à l'Afrique. Il a dit qu'il va rendre les dieux égyptiens à la renverse. Vous voyez cela? Qui va faire des problèmes, qu'on est tellement fou de ces dieux-là, de cette divinité-là. Maintenant, vous voyez, pendant qu'on refait le réveil pour retourner à Dieu, ces mêmes sursauts d'orgueil-là se retrouvent au milieu des Africains. On a dit qu'on revient dans la tradition de nos pères, on revient dans la tradition des dieux, nous on a abandonné notre tradition. C'est que Dieu, ce qui a fait qu'on entre dans l'esclavage, c'est quand même terrible. C'est que ce qui a poussé que l'Afrique va en esclavage, les gens, pendant que l'on dit maintenant, ouf, revenons maintenant au Seigneur. D'autres ont dit non, les Africains là, ce sont les Blancs qui vous ont endoctrinés. Ce n'est pas le problème des Blancs. Les Blancs sont venus pour accomplir la volonté de Dieu en donnant la parole de Dieu. Cet homme-ci, c'est Décias.
N'est-ce pas celui qui a dit que j'ai enlevé Jérémie le prophète dans le truc? Quand il dit Jérémie le prophète, qu'est-ce qu'il en est de dire quoi là? Qu'est-ce que, quand il dit Jérémie le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il veut parler de quoi? Donc vous voyez effectivement que c'est un prédicateur aussi, il connaît que c'est un prophète de Dieu. Mais quand ce prophète va parler, il va écouter. Donc les blancs, comme ils disent, sont venus avec l'évangile et ils ont fait aussi ce qu'ils devaient faire. C'est le double couteau. Ils sont amenés cela. C'était la volonté de Dieu que l'évangile entre de cette façon-là. Maintenant, il y avait l'idolâtrie dans le peuple africain. C'est pour ça que vous entendez les gens disent, avant que les blancs ne viennent, nos parents servaient des dieux. Ce n'est pas Dieu le Dieu créateur. Le Dieu créateur est révélé dans les Saintes Écritures. D'accord? Amen. Donc pendant qu'il y a un réveil pour retourner au Dieu de la Bible, il y a aussi un retour au Dieu égyptien. Parce qu'en réalité, ça doit se confronter encore. Dieu va les confronter. Je crois que je ne sais pas si je vous ai dit cela ici. Sur le plateau, vous allez voir des choses. Ils peuvent tourner les pasteurs maintenant. Attends que Dieu fait. Vous allez voir les décrets des hommes ou en des dieux. Pas des vieux. Amen. Écoutez bien cela. Pas des vieux. Amen. C'est les vieux. Il y a l'huile de la graisse de l'ancien temps. Cette graisse-là, c'est terminé. C'est les jeunes. Ils vont s'asseoir comme ça. Voir de l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un va parler, il va ouvrir les seins. Si tu parles le Seigneur, tu tombes aveugle. Et puis on va inviter maintenant une autre machine dans l'émission. Que vient l'émission confronter tes pasteurs. Que je ne mets pas les pieds. Ils ne mettent pas les pieds là-bas. Laissez-les qu'ils se mettent là-bas, ils mettent le chapeau, ils croisent les pieds, ils disent n'importe quoi contre le pasteur. Vous êtes un magicien, dit au pasteur que tu t'as mis des transformes en chèvre. Le pasteur a la sueur. Parce qu'il ne veut pas qu'on le transforme en chèvre. Même si tu es pasteur, si tu es croyant, selon la volonté de Dieu, et que tu respectes la Bible, même s'il parle comme ça, si le magicien fait n'importe quoi, il ne peut absolument rien faire. Amen. Tout ce qu'il fait là, c'est simagri. Mais maintenant, quand on dit au pasteur, comme le pasteur sait qu'il n'est pas vrai, ils savent qu'ils sont dans le même camp. On va le transformer là-bas en chèvre en studio. Mais, ainsi dit le Seigneur, Dieu est en train de réveiller une sainte postérité puissante et loin de l'esprit. Les magiciens, les marabouts et tous ces gens-là auront fort à faire avec ces gens-là qui sortent de l'ordinaire, avec ces gens-là qui ne sont pas connus avec leur col pastoral, avec ces gens-là qui ne sont pas fameux par leur nom et par leur titre. Mais ils vont se positionner là, déclarer les oracles de Dieu pour fermer les cieux sur les gens. Ils sont là dissimulés dans le pays. Dissimulés dans le pays. Vous allez les entendre bientôt. Donc cette confrontation sera là. C'est-à-dire, c'est dit, prends Jérémie en cachette. Mais souvenez-vous de pourquoi on a envoyé Jérémie là-bas. Parce qu'il a dit la parole du Seigneur. Les gens disent, non, il a de décourager le peuple. Cet homme-ci mérite la mort. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait qui mérite la mort? Dieu lui a dit, parle. Dis-le que voici la direction pour le pays. Soumettez-vous à Nebuchadnezzar. Vous aurez la vie sauve. Votre vie, ça sera votre rétribution. Vous vous soumettez. Ça veut dire que acceptez qu'on vous mette le joug, on vous amène à Jérusalem. C'est la volonté de Dieu. Parce que dans le décret du Très-Haut, il est question qu'il passe 70 années de captivité. Moïse leur avait dit ça, et ils chantaient ça chaque jour sous les yeux du cantique de Moïse. Moïse avait dit quand ils seront entrés dans le pays, ils vont faire l'idolâtrie, Dieu va les amener dans un pays lointain. Et c'est là qu'il ira les chercher. Il avait dit ça, frère. Il avait dit ça, donc c'est sa volonté que ça se complique comme ça. Le moment arrive, ils sont en plein dedans, mais ils ne savent pas que ça se lève. Pourtant, ils chantaient ça en cantique. Même chose avec nous aujourd'hui. Nous vivons dans des situations, nous ne savons pas si nous sommes dans la volonté de Dieu. Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. La position où vous vous trouvez maintenant, c'est la position de la restauration de l'Afrique, telle que les Saintes Écritures le disent. Il était question que l'Afrique parte en captivité parce qu'ils habitaient dans l'idolâtrie. Donc voilà la position que nous trouvons dans la Bible. Toute personne donc, qui en a de vouloir essayer de contrarier ces choses-ci, serait comme les CDSA et tous ces gens-là qui se mettaient contre la volonté. Vous ne pouvez pas empêcher la volonté de s'accomplir. Vous ne pouvez pas empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Donc c'est ce qui en est arrivé. Ce n'est pas dans le cadre du Cameroun seulement. La Côte d'Ivoire va expérimenter ceci d'ici un an. Ça va encore revenir. Et une fois, quand il parlait de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, le trône de ce pays-là a été fait par le sang. Pas par le sang de comment on fait la guerre. Que non. Ça a été inauguré par le slaughter. Slaughter, c'est quoi? L'égorgement de sang pour pouvoir inaugurer ces choses. Ce que vous appelez l'ancien président. C'est terrible. Si c'est la guerre, c'est autre chose. Mais du fait qu'on dit, pour maintenir ma longévité, on fait comme ça. On coupe les nuques des gens. On amène les marabouts qui partent dans la forêt. Les innocents sont captivés. Sont capturés, on va l'avoir en sacrifice. Vous cherchez votre enfant, vous ne le voyez pas, l'enfant a disparu. Vous ne verrez jamais votre enfant. On est allé le faire tuer pour pouvoir faire la longévité. Ces sangs-là ne peuvent pas rester impunis. Dieu est juste. Il doit régner. C'est pour ça que toute personne qui s'assoit sur ce trône-là, s'il n'appelle pas à la réconciliation nationale, il va quitter de la même façon. Vous voyez, la solution c'est quoi? La réconciliation et le pardon.
C'est simple. La solution, c'est réconciliation. Appelez-vous, restez sur la table. Je demande pardon. Demandons pardon à la nation. Pourquoi on ne peut pas faire cela? Regardez le Kenya. Regardez le Kenya. Vous avez vu ce qui est arrivé? Regardez le Kenya. Comment ils écoutent la voix de Dieu? Le président est en poste. L'opposant est là. Il vote. Il y a tension pour les gens se tuent. Dieu envoie la parole. Que c'est la réconciliation. Retrouvez-vous. Le président de la République du Kenya et son opposant se rencontrent dans une assemblée. Il se tient sur le plateau devant la télévision. Le président prend le micro. Il dit à son adversaire, je demande pardon pour ce qui a été dit. J'étais pris de cours, de collège. Ça s'est passé là en mai. Je demande pardon pour ce qui a été fait, mon frère, de me pardonner. Et demande à tes partisans aussi de me pardonner. Il dit, je te pardonne, mon frère. Il s'embrasse. Le président passe le micro à l'opposant. L'opposant dit, je demande pardon au président du fait que je l'ai insulté. C'est vrai que j'étais emporté, je lui demande pardon. Il pardonne. Le vice-président, l'adversaire de l'autre côté là-bas, après il s'embrasse. Souvenez-vous, pour ce qui est de cela, le pays n'appartient à personne. La terre n'appartient à personne. Quelle qu'en soit la gloire que tu vas avoir sur la terre, tu vas finir, tu vas passer, tu vas laisser la terre. Définitivement, ça sert à quoi d'avoir les guerres les uns les autres pour te positionner au pouvoir, sachant que tôt ou tard, tu vas toujours mourir. Mais et là, tu es en train de faire mourir les enfants d'autrui. Faire mourir les gens. Pourquoi? Pour après, ensuite, aussi mourir. Des présidents des pays ont coupé les gens pour pouvoir boire du sang, pour se maintenir au pouvoir. Mais il y a quelque chose que Dieu a donné à l'homme qu'il ne peut pas échapper. C'est le test du temps. Vous avez 2 ans. Dites, wow, je suis en vigueur, je suis vigueur. 15 ans, j'ai la force. Attendez que 35 ans, et que vous allez au mur un jour, vous voyez qu'il y a un cheveu blanc qui commence à sortir. Vous allez comprendre que vous allez d'aborder, amorcer le dernier tournant qui vous amène dans la vieillesse. On va encore vous mettre là-bas à 100 mètres, que comme tu cours à 15 ans. Tu dis, ah, attends, mes vieux os. Si toi tu commences à dire mes vieux os, tu vas comprendre que maintenant là, tu en es d'aborder vers le tournant. Alors comme tu nais là, c'est comme ça que tu vas sortir. Définitivement. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6 que nous sommes venus dans le monde nu. Et il est évident que nous rentrons sans rien en port. Mais les gens se luttent sur la terre comme si c'est eux. Si on lui laisse la terre, seul, on dit qu'il prend la terre avec tous les gloires. Il va faire quoi avec ça? Alors vous comprenez effectivement qu'on a des problèmes. Les gens servent Satan sans s'en rendre compte. Alors regardez le cas du Kenya. Comment ils ont fait? Ça c'est un modèle pour montrer aux gens qu'on peut écouter la voix de Dieu. Et comment Dieu ne doit pas assurer la paix et la prospérité dans ce pays? Comment? Si le président se met debout. Et ici, le Saint-Esprit dit, voici ce que Dieu dit au président de la République du Cameroun. Appelle la repentance sur la nation. Simple. Prends un décret. Tu dis, pasteur, quel qu'en soit ce que vous êtes, réunissez-vous, priez pour notre nation. Demandez pardon à Dieu pour nous autres qui sommes au pouvoir. Nous avons fait des fautes. Il suffit de dire ça. Nous avons fait des fautes devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous, pardonne notre pays. À cet instant, Dieu guérit le pays. Ça vient du très haut. Mais le décret dit, sinon, le bâton est ôté. Voilà ce que le décret dit. Mais on dit d'abord, voici ce que Dieu dit, ordonne au président. Il entend. Est-ce qu'il va l'exécuter? Là est le problème. Donc vous voyez que s'il n'exécute pas, ce n'est pas le cas simple seul. Dans la Bible, voilà ce qu'on a de trouver. Quelqu'un se trouve face à face. Au moins ici, c'est une voix. On peut dire que non, celui qui parle là, lui, c'est qui même au juste? Il est qui? C'est quand vous allez savoir les événements commencent à arriver que vous savez qui il est. Parce qu'il ne s'agit pas d'une personne. Jérémie a dit que écoutez la voix de Dieu derrière ce message. C'est pas ce qu'il a dit, frère. Amen. Donc il veut dire, laissez-moi tranquille. Je ne suis personne. Mais c'est la direction du Seigneur. Il est question de la direction du Seigneur. Quel est l'intérêt de Jérémie, depuis sa jeunesse, de se tenir toujours là-bas pour dire, repentez-vous? Les gens se repentent. Ça lui fait quoi à lui? Écoutez bien ça. Quand les gens se repentent, vivent bien. Quel est l'avantage de Jérémie là dedans? On s'attendrait à ce que peut-être que Jérémie dit que non, au lieu d'aller donner l'idolâtrie, la venez servir dans mon église. Jérémie a dit ça? Non. Jérémie dit changer de comportement. Rendez justice à la porte. Quand vous rendez justice là-bas à la porte, c'est chez lui que vous le rendez. Non. Quand vous donnez, partagez aux veuves et autres là-bas, c'est à lui que vous rendez. Non. Mais les gens devaient se poser la bonne question. Mais quel est l'intérêt de celui-ci de parler ainsi? C'est nécessaire de l'appeler. Face à face. Il dit, dis-moi, ne me cache pas. Jérémie lui a dit, si tu dis, tu vas me tuer. Parce qu'il sait que l'idée qu'ils ont de Jérémie, c'est une idée contraire. Parce qu'il dit les choses qui n'est pas bien selon eux.
C'est donc pour cela que, vrai, comme vous avez vu, je crois que dans ces messages pour le président de la République, pour le jeune, pour le Cameroun, j'ai passé du temps ici à lire exactement ce que le président devrait faire avec les conseillers qui sont tout autour de lui. Les conseillers du président. Écoutez bien ceci. Les conseillers du président, Dieu peut les utiliser contre lui. Qu'ils soient satanistes ou bien des chrétiens et qu'ils soient des gens qui sont nantis. Vous avez vu le cas de David, quand David était en disgrâce devant le Seigneur. Vous avez entendu parler de Yves Bochette, n'est-ce pas? Nous allons parler de deux principaux conseils de David, n'est-ce pas? Le premier se nommait. Mais c'est grave sur vous. On a oublié, ça fait longtemps, on n'a pas lu 1 Samuel. Ah. Ouais, le frère de Nassin cherche. Ça fait longtemps. Depuis là, je suis dans Daniel. Je lis un peu un chronique. Quels sont les deux? Je vais vous donner les deux conseils. Je vais partir de là pour vous montrer quelque chose, pour vous comprendre ce qui est arrivé dans notre pays. Je parle pour le cas du Cameroun et pour le cas de l'Afrique. J'ai dit ici qu'après le Cameroun, viendra le tour de la Guinée équatoriale. Ça viendra. Et Dieu va balayer toute l'Afrique ainsi. Et même, ça va aller sur tous les territoires, sur cette terre où il y a la peau noire. La peau noire. Vous qui êtes au Cameroun, vous savez effectivement que il y a des, tout ce qui se passe là-bas, ce n'est que des... Quand il parle de ce qui se passe, les implantations des églises dites de réveil, ce n'est que des succursales, des choses bribées de part et d'autre dans les autres nations. Le réveil ne s'est en réalité jamais produit au Cameroun. Le premier réveil du Cameroun arrive. Donc si quelqu'un vous dit qu'il y a eu des réveils sur le pays, c'est les histoires. Il n'y a jamais de réveil. Il y a des implantations avec des collaborations avec de l'État dans ce pays-ci. Le réveil, proprement dit, selon la Bible, ne s'est jamais produit. Vous êtes de la génération qui verrait cela. Amen. D'accord? Amen. En tout cas, le Cameroun s'écrit dans votre Sainte Écriture là-bas. C'est ce qui va arriver. Je ne suis pas en train de prophétiser pour ceci. L'autre, ce que j'ai dit maintenant, c'est écrit dans votre Bible noir et blanc. Si vous êtes avec moi 2 à 2, vous dites, où est le Cameroun ici? Je vous dis, voilà le Cameroun. Ici, on a parlé du Cameroun. Vous comprenez cela? Voilà. De la même façon, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne voyez pas Jésus. La Bible déclare que c'est par l'Ancien Testament que l'apôtre Paul montrait que Jésus était le Messie, non? Et on a dit que voici Jésus, si est le Messie, si. C'est écrit là-bas qu'il est le Messie. Mais il faut que vous lisez qu'il est le Messie. Pour les États-Unis, c'est là-bas dedans. Pour l'Afrique, c'est là-bas. Pour le Cameroun particulièrement, c'est là-bas dedans. Bien positionné. Alors, quels sont les deux conseillers? Il dit comme ça, le temps que vous vous souvenez dans votre ancien... Comment? Achitophel. Après Achitophel, il y a... Où? Comment? Voilà. Maintenant, vous voyez effectivement, la Bible parle de Achitophel comme de, que quand son conseil était donné, ça faisait office de la parole. Encore, la parole, ça venait quand le roi avait besoin d'un conseil. Quand le monsieur s'est positionné là-bas, il fait comme ça. Il donne la solution. On sait que Dieu a parlé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand David va être en disgrâce, quand Adonijah va prendre le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il se rend de partie. L'un des conseillers va venir vers David et dire non, reste, tu pourras me servir là-bas. Les deux sont encore restés au pouvoir. À un moment donné, ils vont donner deux. Écoutez très attentivement. Ils vont encore donner celui qui donnait le quand il donnait son conseil, tout le monde savait que c'était Dieu. À cet instant-là, Dieu avait tourné son conseil. Pourquoi? Quand David parlait, écoutez très attentivement, David partait. Il savait effectivement que comme ce conseiller-là se trouve avec Adonijah, il est mort, David est mort en guerre. David a fait une prière à Dieu. Ô Seigneur, qui rend en néant le conseil de quoi? Quand il a fait ça, cette prière que Dieu a fait, Dieu a exaucé. Parce que si ce n'était pas ça, Dieu devait l'utiliser, lui donner le conseil qu'il faut que tout le là-bas, traite-le. Pas vrai? Il a dit, ô Seigneur, anéantis le conseil d'Achitophel. Parce qu'il savait que c'est lui seul la clé. Pas Adonijah, pas l'armée, pas Joab. Non. Pas Abner, fils de Ner, c'est pas lui. C'est. Donc, les conseillers aux côtés du roi sont les sages en réalité qui sont là pour guider le roi. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible déclare qu'on le méchant devant le roi et son règne prospérera. Tout autour, si c'est les méchants, quelqu'un va dire que ouais, quelqu'un sort de nulle part en Inde. Il s'assoit en association avec le roi. Le roi dit ton parfait là sort, il sort d'un endroit secret en Inde. Il y a un père là qui est vu là-bas que si on fait ça, si on tire le boulet sur toi, ça ne vient même pas. Avant que quelqu'un veuille tirer l'arme sur toi, tu vas savoir qu'il a tiré. Quelqu'un a tiré. Amène-moi chez lui. Qu'est-ce que ça de faire, frère, pendant que je suis il détourne le roi. Mais pourtant, ce qu'il fait est normal. C'est-à-dire qu'il veut protéger le roi, mais c'est Satan qui est derrière. Alors, je te prends avec sa part, la bouche.
Alors maintenant, quand Adonijah entre pour voir, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Hushai dit une chose. Il dit non. Il faut laisser que les gens se réunissent et que les gens font. Parce que David, comme ils sont ça, comme ils viennent de sortir, maintenant, ils sont la haine. Ils sont les gens de guerre. Ils vont te traiter si tu pars là-bas. Aussi, je peux dire que non, non. Pendant qu'ils sont découverts maintenant, il faut traverser rapidement les avoir avant qu'ils ne se réunissent. La Bible déclare que Adonijah a pris en compte parce qu'on sait que c'est Achitophel. On a dit non, on prend pour Hushai. Parce que chaque fois que tu parles bien selon Dieu, mais ici là, tu n'as pas bien vu. Pourtant, c'est lui qui disait toujours vrai. Mais Dieu avait anéanti son conseil. Les conseils du roi sont entre les mains du Seigneur. C'est pour cela que si les présidents de la République prennent des prophètes authentiques de la Bible, de leur période, en disant prophète, en tout cas frère, vous ne pouvez pas empêcher. De la même façon comme sur le plan constitutionnel, la séparation de pouvoir est une utopie. Donc c'est les histoires comme on dit. Il n'y aura jamais de séparation pleine de pouvoir, même dans les grandes démocraties, il n'y en aura jamais. Maintenant, regardez votre Bible et lisez 1 Samuel 1 Roi chapitre 11. S'il y a une histoire qui me dépasse dans la Bible, c'est là-bas. Un monsieur appelé Jéroboam sera dans l'armée du roi. Jeune homme vaillant. Il est en train de travailler. Depuis le chapitre 10. Il est en train de travailler avec le roi. Et le roi Salomon va le trouve en train de travailler pour fermer les cruches là-bas. Il le regarde. Le gars est fort. Il dit, ça c'est son général d'armée. Le gars quitte là, il rentre. Salomon de son côté en train de pécher contre Dieu. Dieu de son côté en train de résoudre son problème en aparté sans lui parler. Vous voyez comment Dieu agit, non? Salomon, Dieu lui avait dit que si tu es intègre, tu restes devant moi, droit devant moi, ainsi de suite, je vais prolonger ton trône. Et pourtant, il a demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir diriger. Cette sagesse-là, il allait chercher seulement les femmes. Fait la science sur la femme jusqu'à ce qu'elle n'est pas venue. Jusqu'à ce qu'il écrivait que les cantiques pour embrouiller les femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne peut pas retirer sa sagesse. Il donne, il ne peut pas retirer. Il a déjà fait un serment. Il ne peut pas aller en contre du serment. Il dit qu'il veut détruire ce royaume, il veut diviser cela, mais pas de son vivant. À cause de David. Donc, quand Salomon faisait n'importe quoi, Dieu ne voyait pas ça, il voyait seulement David devant lui. Vous comprenez cela? Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Akija rentre dans le champ, il trouve Jéroboam là-bas. Il prend son manteau neuf, il déchire 10 parties, il met sur lui. Écoutez bien, frère, c'est pour ça que je ne peux pas comprendre ces choses. Il met sur lui, il dit: ainsi parle le Seigneur, je déchire le royaume sur les fils, entre les mains des fils de David et t'en donne 10 parties. Vous voyez que dans cette période de l'histoire, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait scission en Israël, qui est division en Israël. Pourtant, jusque-là, jusqu'à David, jusqu'à Salomon, ils étaient 12 tribus unies. Mais ici, c'est Dieu qui décrète que la tribu, l'Israël, va se diviser en deux. Donc, Dieu aussi est dans la division. On ne dit pas seulement que non, Dieu n'est pas un Dieu de division. Faites attention, il y a des divisions causées par Dieu pour sa volonté. Alors, il déchire le royaume. Il met sur lui. Écoutez bien. Et le prophète se tourne vers lui, il dit: ainsi parle le Seigneur, je déchire le royaume entre les mains du fils de Salomon et je t'en donne 10 parties à cause du mal que Salomon a fait. Il a amené l'idolâtrie, il a fait telle ou telle chose. N'est-ce pas aussi un être humain à qui on a dit le pourquoi on déchire le royaume pour lui donner? C'est pas la même personne qui va venir au pouvoir plus tard et il va faire la même chose que Salomon avait fait? N'est-ce pas, frère? Amen. Et grave encore, il va faire de telle façon qu'on va affaisser le nom de Dan dans le livre d'Apocalypse. C'est lui. Il va monter au pouvoir. La Bible déclare qu'il va se. Parce que les gens, malgré qu'il avait les dix tribus du nord, le pays du sud avait la capitale, donc Jérusalem. Il avait le temple qui est le cœur des Juifs. Les gens quittaient de son pays là-bas en haut pour venir toujours à Jérusalem. Et puis il se met ensemble, il se met dans son sort. Il dit non. Si les gens s'y continuent à aller à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu, leur cœur va retourner vers le fils d'Isaïe. Frère, c'est lui qui avait fait que leur cœur quitte pour aller en haut. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait à Bethel, construit une idole, un nouveau. Il dit: Israël, voici ton Dieu. Que finit maintenant avec les enfants d'Isaïe. N'allez plus à Jérusalem. Voici Dieu. Donc le mouton qui a fait, c'est Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et la Bible déclare qu'il fut une occasion de chute pour Dan, n'est-ce pas? Il a placé à Bethel, placé à Dan. Voilà donc ce qu'un homme à qui le prophète est venu dire face à face, qu'on te donne ces 10 royaumes-ci parce que Salomon a amené l'idolâtrie. Lui, il a entendu. Et le prophète toujours vivant. Qu'est-ce que cet homme devrait faire? Il devrait demander au prophète que c'est toi qui m'avais dit, il y a cela 10 ans avant qu'il ne parte en Égypte, que le moment viendra, tu auras 10 royaumes. Te voici maintenant dans la réalisation des 10 royaumes. Quelle est la conduite à tenir? Voilà ce que le roi doit faire. Voici ce que le roi doit faire. Il lui a manqué cela. Maintenant, au moment de sa jeunesse, quand il va vouloir mourir, quand son enfant va mourir, il va demander à sa femme que déguise-toi. Parce qu'il a vu que le prophète vient et ne voit plus bien. Il croit que quand il ne voit plus bien, c'est la voix, c'est les yeux qui parlent. Il amène. Sa femme va venir comme ça. Dans l'obscurité, vous dites que. Le prophète a dit que femme de Jéroboam, pourquoi te caches-tu? Pourquoi tu te prends à une autre personne? Et l'enfant va mourir.
n'est-ce pas, frère? Donc, le roi Akija, le prophète Akija était dans le pays pendant que ce même prophète, ce même roi à qui il avait dit qu'il devait être au pouvoir, il était au pouvoir, le roi était toujours là vieux. Il ne faisait pas cas de lui alors qu'il devait venir vers lui pour dire quelle est la direction de Dieu pour prendre. Donc, pourquoi donc la voix de Dieu est là? Les gens savent que voici la voix de Dieu, mais ils ne peuvent pas emprunter. Parce que l'homme seul, par lui-même, ne peut pas chercher Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu. Sous le chapitre 30, le verset 21 de Jérémie. Vous êtes, c'est dans quel livre là où vous êtes? Jérémie 38. 38. Ouvrez le chapitre 30, voir. Regardez. Merci, Père. Jérémie chapitre 30. Qu'est-ce que le verset 21 dit, mon cher? Son chef sera tiré de son sein. Oui. Son dominateur sortira du milieu de lui. Oui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Oui. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Amen. C'est bon. Vous avez vu ça? Dieu dit qu'il va susciter, donc quand il va faire ces choses, il va susciter le chef du milieu d'elle. Et il va faire que ces choses approchent. Donc c'est Dieu qui tourne le cœur pour que le cœur vienne à lui. Il dit que car qui de lui-même peut approcher. Donc si tu veux, oh Seigneur, tu vas faire avec la chair 2, 3, 4, 5 jours, tu vas lâcher. Mais si c'est poussé par le Saint-Esprit, tu vas le suivre jusqu'au bout. Parce que c'est Dieu qui attire. D'accord? Il dit qui de lui-même peut approcher de moi? Il faut que ce soit Dieu qui parle. Il faut que ce soit Dieu qui parle. Regardez dans ce livre de Daniel au chapitre 2. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas quand Daniel vient expliquer le songe à Nebuchadnezzar. Il dit qu'il était monté dans ta couche alors que tu t'es couché. T'es monté sur les pensées de ta couche. Ce qui se passera après toi. Vous voyez comment Dieu donne le pensée à Nebuchadnezzar. Vous voyez cela? 43 ans de règne. Son père avait fait à peu près 26 ans. Quand son père lui a ligué le royaume, il savait effectivement que c'était la fin de son royaume. Il va passer le royaume à son fils. Mais regardez comme ça, il avait tellement combattu en Égypte, allé en Arabie, allé en Médie, brisé tout le royaume, soumettre l'Inde sous sa domination. Mais il était rentré dans Jérusalem, à Babylone. Il restait sur sa couche. Une pensée lui vient. On dit qu'une pensée lui vient. Subitement, il commence à penser. Ok. Quand, avec toutes ces conquêtes qui s'y sont faites, qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai plus là? Quand il a fait ça, Dieu l'a plongé maintenant dans le monde spirituel et lui a montré la vision concernant. Donc, ok, comme tu as demandé la suite des temps, il te donne le déroulement, comment ça va arriver. Il voit une grande statuette. Là, il ne comprend pas. Et Dieu donne, il enlève le cela. Il faut que le prophète vienne expliquer. Dès là, le prophète a expliqué de ce qui va venir, comment Jésus va venir, jusqu'à ce qu'il va revenir pour détruire le royaume. Mais Dieu a montré ça à un roi païen. C'est pas ce que vous comprenez. Amen. Alors, Dieu règne au milieu des hommes, plonge ses attributs dans le milieu des hommes, manipule et dirige qui il veut, du plus roi jusqu'au plus petit. N'est-ce pas lui qui a utilisé le fils de la soeur de l'apôtre Paul pour faire que l'apôtre Paul quitte Jérusalem? Amen. Pour aménager. Qu'est-ce que cet enfant-là faisait là-bas lorsqu'on était en train de faire le complot? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pourquoi ce soit l'enfant de la fille de Paul qui était là? Si c'était notre enfant, il devait s'occuper de ça. Non. Il a fait que ce soit l'enfant de la soeur de Paul. Pendant que les gens sont en train de se réunir, il dit, gars, pourquoi ils ne parlaient pas aussi à basse voix? Pourquoi ils ont parlé dans la forêt? Si tu es là-bas, que personne ne mange ici. Si on ne tue pas, c'est Paul. Le garçon dit que qui Paul? L'oncle Paul, il dit non. Il s'approche encore comme ça. Il dit quoi? On ne mange pas. Demain, hein, on va dire au tribunal que viens faire qu'on apporte Paul pour qu'on entende ce qu'il va dire, si vraiment il dit vrai. Pendant qu'il va faire toi, ton boss, lui, tuons-le. Vous avez compris? Le gars dit, oh, ok. Pourquoi Dieu a fait que ces circonstances-là soient comme ça? Or, Jésus s'est présenté à lui. Il dit, de même, comme tu as témoigné de moi dans Jérusalem, de moi, il faut que tu parles à Rome. Il lui a dit comment il va faire pour arriver à Rome. Non. Voilà les circonstances qu'il a programmées pour qu'il parte à Rome. Il faut que ce garçon-ci parte dire à Paul et que Paul dit que va dire ça au tribunal et que le tribunal prend la décision. Même la décision que le tribunal prend pour l'amener à Rome, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Donc la difficulté, c'est que les hommes ne savent pas que Dieu plonge les regards dans les rois, les directions des hommes. Ils ne savent pas. Les gens s'attendraient à ce que Dieu fait du haut des cieux. Il fait, Paul, bien, tu fais quoi sur la terre? Dieu ne fait pas comme ça. De la même façon, comme il n'a pas parlé à haute voix pour effrayer ses disciples, que non. Il a dit à Jérémie, tiens-toi là-bas et parle. Ainsi parle l'Éternel. Mon frère, tu dois te mesurer pour pouvoir parler. Ainsi parle l'Éternel. Regardez bien ce que Anania va se présenter devant lui. Il va faire. Il va dire, oh, avec ce corps, si tu frapperas le roi de Babylone. Vous avez vu, Jérémie lui dit quelque chose. Il a dit seulement que sache qu'avant toi et moi, il y a eu des prophètes. Il ne dit pas que tu es faux prophète. Il dit que tu es un prophète, je suis un. Mais ce n'est pas l'accomplissement. Qu'il ait prophétisé la peste ou quoi que ce soit, ce n'est pas l'accomplissement, c'est ça qu'on sache qui est qui. Mm-hmm. Quand il se tourne, il va à la maison, Dieu lui dit, va dire à Ananias, cette année tu mourras. Et tu mourras cette année-ci. Jusque-là, c'était devant les gens, dans le temps. À cette année-là, il est mort. Ça fait que les gens écoutent toujours son message. Mm-hmm. Sombre page de l'histoire. Dieu
a ses regards dans la vie des êtres humains. Dans les plus petits, quand la Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit ce que Dieu veut, c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Quelqu'un fait les affaires. Il dit que business, c'est le business. Laisse Dieu d'écouter. Dieu dit non, je suis dedans. Quel qu'en soit ce que tu as fait, Dieu pose le regard. Sinon, il ne serait pas juste parce qu'on dit qu'on doit faire tout avec justice. Il dit tout, personne ne se plaint avec justice. Tous sont corrompus. Voilà pourquoi on attend la délivrance en plein midi, on tâtonne. Pas vrai? Parce qu'on se dit, il dit clairement que rendez justice. Dans le livre de Michée, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 6, verset 8? Il dit qu'on t'a fait connaître aux hommes ce que Dieu attend de toi. Voici, il cite. C'est que tu accomplis la justice, tu crains l'Éternel et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voilà ce qu'on attend de toi. Mais qu'est-ce qu'on fait? La chose humaine, c'est qu'on fait tout et tout pour tuer sa conscience, pour tuer Dieu de sa conscience. Vous allez dans un bureau, on dit lutte anti-corruption. Ici, le service est gratuit. Vous donnez votre feuille que signer. Il dit le commissaire n'est pas là. Vous sortez 500, la signature sort, le commissaire subitement est là. Au-dessus de lui, c'est non à la corruption. En tout cas, vous avez vu, on a accusé les gens qui étaient dans l'anticorruption, qui eux-mêmes ont été corrompus. À qui donc faire confiance? C'est un esprit. C'est un esprit. Quand on nomme quelqu'un dans un poste, vous voyez, tout le monde s'élève. Parce qu'on se dit qu'à ce poste-là, il est fait pour avoir de l'argent. Vous devez comprendre que quelque chose ne va pas. Oh, on a nommé mon oncle ministre. Il n'est pas ministre de ta famille. Mais c'est pas ce que c'est ce qu'on dit. C'est un mal profond. Les gens de la sous-section de la Liki remercient le président pour avoir nommé l'un de leurs fils comme ministre. C'est un problème. C'est ce qu'on a dit. La justice voudrait que c'est le ministre de la République. Il ne vous appartient pas, il appartient à la République. Et donc quand ces gens-ci viennent en soutien, le jour là, encore le nom, ils viennent chacun dans une enveloppe. Qu'est-ce qu'il a de dire? Comme je t'ai donné comme ça, sache que prochain recrutement, mon enfant est là. On a des problèmes. On a des problèmes. Et donc quand il donne comme ça là, lui aussi il entre là-bas, quand il entre, prochain recrutement, il dit que va dire aux enfants du village qu'emmenez-moi toutes les listes de noms. C'est pas ça frère? Et pas on dit maintenant. Le texte dit l'équilibre régional. Et puis quand vous voyez que tel ministre est là, vous regardez que dès sa période, quand il y a un tel concours, c'est les gens de son département qui sont armés. Ce n'est pas la justice. C'est si Dieu va amener le jugement. Vous voyez là où on est, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut régler. Voilà dans les choses. Les gens disent, ok, pourquoi Dieu ne fait pas telle chose, telle chose? C'est les petites choses comme ça qui se construisent et amènent le péché sur la nation. Quand Dieu a dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens n'a pas encore arrivé à son comble, il péchait partout, non? Ce n'est pas un péché spécifique qu'il faisait. Le péché dans tel domaine. C'est donc pour cela quand on prie, quand on dit, si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises œuvres. Le mot ses mauvaises œuvres doit être bien comprise. Quelles sont ces mauvaises œuvres? Il ne faut pas négliger. Parce que quand c'est le péché, aussi petit que ce soit, que soit-il, c'est une mauvaise œuvre. Vous entendez que quelqu'un a fait le concours. D'autres même sont fait le concours. Il y a la liste, même le nom des morts sur la liste finale. J'étais en train de voyager, de rouler d'ici pour aller en ville. J'ai vu un policier en roue, il l'ai transporté. J'ai dit, mon gars, c'est comment, non? Il dit, mais tu vois son âge, quand tu le vois, tu sens que c'est quelqu'un qui a le temps sur la terre. Avec son gras, il dit, mais comment tu as fait? Il ouvre son cœur, il me dit, j'étais à Londres en train de jouer mon football. Avant de partir, il est là-bas coupé l'âge même par quatre. Arrivé là-bas, ses os ne pouvaient même pas faire ce que son âge dit. Il me dit que, écoutez bien, c'est l'une des paroles les plus choquantes qu'il puisse entendre pour quelqu'un qui est sensible. Il me dit que c'est mon père qui m'a appelé pour me dire que j'ai passé le concours de la police. Que son père l'a appelé pour dire quoi? Il ne me dit pas que son père l'a appelé pour dire que viens faire le concours de la police. Il dit qu'il l'a passé. Donc quand il a quitté Londres, il a atterri à l'aéroport, il allait à la formation. Il est sorti. D'autres partent même à la formation que le jour qu'on sort. C'est-à-dire que pendant qu'on a fait la semaine de sortie sera demain. C'est là où quelqu'un va, il achète la tenue, il coiffe sa tête lui-même, il entre là-bas, il ne sait pas comment on fait. Il sort le lendemain, il est sur le pays, vous entendez les bavures policières. Voilà ce qu'il en est dans la nation. Et c'est normal. Où est-ce qu'on se trouve? Il dit que son père, entre-temps, toi, tu es ici, tu prends de l'argent à ta tante, on t'insulte maman, t'es donnant, tu collectionnes. Tu vas pour signer un dossier, tu t'alignes de 5h jusqu'à 22h. Tu fais ces choses, tu passes la nuit à bûcher, à écrire, en effet, tu viens t'asseoir, tu conclues. On ne corrige même pas vos feuilles, souvenez-vous de cela. On ne corrige même pas.
On dit que vous êtes 40 000. On va connaître que 40 000. On prend 200 comme ça, de tels 200. On les fait gros. Et puis les autres, non complet. Et puis vous êtes là, vous dites, je vais passer. Tu vas passer bien. Voilà quelqu'un qui est à Londres là. Passer. Ça, c'est le cas qu'il m'a dit. Combien de personnes sont comme ça? Dans les villages, on envoie les listes. Que les listes sont là. Que toi, va à la police. Toi, va là-bas. Toi, va. Les gens qui du village, ils partent à la police. Vous donnez votre carte d'identité à un policier, il met ça en sens inverse. Il te regarde, il vous donne la carte d'identité. Il met votre carte au sens inverse de là où il est. Qu'il est censé lire. Il tourne comme ça, il vous regarde. Il regarde. Il ne sait pas lire. Et ce sont des agents de sécurité. Vous riez comme ça. Je suis en train de dire, quand on dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises œuvres. Du haut des cieux, je vais l'exaucer. Voici les choses qu'il faut dénoncer. Prenez le coup, vous dites que quand un liste sort, c'est l'équilibre régional. Allez, regardez l'équilibre régional. Allez regarder l'équilibre régional, vous saurez de quoi il est question. Allez dans un bureau, demandez le service qui vous est dû. Allez seulement faire peut-être le papier pour le terrain, que normalement ça doit suivre son cours. Quelqu'un te dit là, psychologiquement, avant d'aller les voir, prépare-toi. Tu as devenu la nourriture, un frère, que prépare-toi pour aller les voir. Alors que la loi dit que après cette étape que tu as donné ton dossier, ça doit aller comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, on prend ton tiroir, ton dossier, on met dans le tiroir. Voilà le pays où on se trouve. Vous venez voir quelqu'un dans son bureau. Vous parlez, vous posez le problème, il dit que c'est ça que je mange. Pourtant, il est payé par les agents de l'argent de l'impôt qu'on perçoit sur vos différentes activités. Quand vous achetez n'importe quoi, le cube, vous achetez du sel, il y en a 19,2% qui sont prélevés là-bas, les taxes que vous payez. N'importe quoi que vous achetez. Vous allez acheter ce pot de fleurs-ci. Lorsqu'on achète ça à 5 000 francs, 19% de ça que vous avez payé va dans le caisse de l'État et on paye les agents de la République avec. Donc, quand quelqu'un est assis quelque part dans un bureau, c'est votre argent qu'on utilise pour le payer. Tout ce qu'il a fait, c'est de vous rendre service. Mais vous arrivez là-bas, il ne fait pas cela. La corruption est dans les gènes. La corruption est dans les gènes. N'en parlons pas encore si tu as la voiture. Tu roules. Le policier fait pipe. Regardez, observez seulement. Observez. S'il y a un cas, je vais revenir avec la prédication avec les gendarmes et les militaires. Observez seulement, vous voyez ceux qu'on appelle les routiers. Observez seulement, vous les voyez assis dans leur voiture ou bien sur leur motard. Le bureau, 6 heures quelqu'un au bureau. Si un endroit, si on fidèle, c'est parce que les gendarmes luttent pour qu'on les affecte là-bas. Je dis, pourquoi tu luttes pour qu'on t'affecte là-bas? Pour que tu fasses le bon travail? Je dis, non. C'est le moyen pour s'enrichir rapidement. C'est au point où les statistiques sortent que entre Douala, parce que le port de conteneurs de Douala, le port pour entrer au Tchad, ça commence par Douala. De Douala jusqu'au Tchad, il y en a 173 contrôles de police. Ça veut dire que les gens qui, si on fait les statistiques, ils dépensent plus de 2 milliards par an seulement pour les contrôles. Quelqu'un sort avec son camion, il porte du port, il s'arrête à Tadès Yassa. Il y a un douanier, un routier. Il ne faut pas savoir ce que tu as dans le conteneur. Il s'assoit là-bas, il fait pip pip. Tu pars garer, tu sors là-dedans, tu viens vers lui, tu donnes 5 000, tu rentres. Enfin, frère, il ne veut pas savoir s'il y a l'âme là-dedans. Il ne veut pas savoir s'il y a un enfant qu'on a kidnappé qui est là-dedans. Il ne vérifie pas le dossier pour voir ce qu'il y a dedans, pour correspondre à ce qu'il y a là-dedans. Le camion qui transporte le conteneur a les roues qui sont usées. Ça arrive quelque part, ça fait pam, ça crée des embouteillages. D'autres tombent chaque fois sur des gens. Ça roule, il n'y a pas de feu d'arrière stop. Ils peuvent créer des embouteillages. Les freins sont coupés, ils entrent chaque fois là-bas. Les contrôles techniques ne demandent pas. Pour le contrôle technique encore, pour que le camion sorte des contrôles techniques, on va dire il y a des choses à faire. Il y a les contre-visites techniques. Il va entrer là-bas. Celui qui fait aussi la visite technique, qui est censé dire que ton véhicule est en bon état, tu peux rouler avec toute sécurité. Il fait le diagnostic. L'ordinateur sort que son système de freinage n'est pas bon. Que son cadran peut couper à tout moment. Il n'a pas de feu arrière stop. Ce véhicule-ci ne doit pas rouler. Le propriétaire du chauffeur lui dit que, gars, fais-moi pour que je sorte d'ici. Il lui donne un 500. Il tape dans l'ordinateur et dit que non, c'est validé. Cette personne, s'il prend son camion, il donne en route pour qu'on roule avec ce camion-là. Et vous entendez que le camion a tué 20 personnes en route. Frère, la personne qui a pris 500 a le sang sous la main. Le policier qui a pris le dossier en route sans contrôle a le sang sous la main. Ce sont des meurtriers. Ces choses-là, ce sont des œuvres qu'il faut dénoncer, prier pour que ça soit réprimandé. Maintenant, que dire maintenant pour un gendarme? Parce que j'en ai rencontré des frères qui sont dans la gendarmerie. Qui veulent faire leur travail. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ont fui cette pause d'affectation. Ils disent qu'il m'avait resté au bureau. On l'amène sur le terrain. Il est avec ses amis. Il stoppe le camion. Pip, il regarde des irrégularités. Ici, il y a telle chose sur le camion, ce n'est pas brûlé. Le chauffeur s'éclipse là-bas.
il appelle son patron. Son patron appelle le gouverneur. Le gouverneur appelle le sous-préfet. Le sous-préfet appelle le commandant. Le commandant dit, laissez le camion. C'est depuis le gouverneur qu'on appelle que laisser le camion malgré les irrégularités. Et ceci, c'est un agent à qui on a donné toute autorité de veiller sur la population. Où est-ce qu'on en allait avec toute cette direction? Je vous donne comme ça les actes de prévention. Vous voyez que c'est très grave. Très grave. Très grave. N'en parlons pas avec le concours des différentes entrées dans les grandes écoles. Regardez le CUS, l'école qui forme les médecins. Vous prenez quelqu'un. Normalement, ce sont les écoles des élites. C'est-à-dire des gens qui sont forts, qu'on devait prendre là-bas parce que ce sont des gens pour pouvoir travailler. Vous assez quelque part. Ce n'est pas étonnant que quand eux ils sont malades, ils fuient le pays pour aller à l'extérieur. Ce n'est pas étonnant. Quand ils sont malades, vous avez vu le président un jour malade venir ici. Vous l'avez déjà vu quelque part entrer dans une école. N'est-ce pas quand il fait les hôpitaux, il dit non, c'est l'hôpital des références. Donc c'est référent pour les pauvres, nous. C'est ça, non? Donc ces hôpitaux sont des hôpitaux des référents, donc pour notre niveau. Lui, il ne peut pas se soigner là-bas. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas danser, se soigner? Pourquoi quand ils ont des problèmes, ils vont se soigner à l'extérieur? C'est-à-dire que non, on a transporté telle personne. Ok, une personnalité. Voici un chauffeur dont la famille est pauvre, conduit une personnalité. Fait l'accident, la personne qu'on transporte, on le transporte, on amène en France pour le soigner. Le chauffeur qui a fait l'accident avec lui, on amène à l'hôpital de la Quintine. C'est la justice, frère. Mais on a des problèmes. Je vous avais raconté l'histoire ici d'un ami qui me disait. Il était tenu avec son ami. Parce que son ami était, quand il était au baccalauréat, il était chaud pour aller en Europe. Parce que son esprit était en Europe. Et puis son père est un ministre ici. Son père lui dit, il faut faire le concours de CUS. Le CUS, c'est l'école qui forme les médecins. Le garçon lui dit, ok, il va faire. Le garçon faisait tout et tout. Parce que le père lui avait donné l'option, les deux options. Il dit que soit tu vas à l'extérieur, soit tu fais le CUS l'école pour entrer là-bas pour être médecin. Vous pensez que celui qui a la tête en Europe va encore faire le concours? Le papa lui a donné l'argent, il allait inscrire son nom, il a fait justement son nom, était sur la liste de ceux qui vont composer. Le garçon, chaque jour de composition sortait, il partait jouer au PlayStation. Pour faire tout, parce qu'il ne voulait pas s'asseoir en place pour qu'on fasse l'erreur qu'il passe. Il allait s'asseoir, il joue chaque fois, ça vient, ça, quand l'heure finit, il rentre à la maison. Son père dit que ça s'est bien passé, il dit oui papa, et vous savez ce qui se passe. On a lu le résultat, son nom était là-bas. Son nom était là-bas. Il vient le soir à la maison, le soir avec ses amis. Il vient le soir. Il voit qu'il y a la fête à la maison. Vous savez comme le ministre aime la fête. Il voit la fête à la maison. C'est quand mon ami si mon ami vous raconte ça, vous allez rire jusqu'à là. Si c'était ensemble, il dit mince, il y a encore quoi? Il s'est pâté, c'est encore organisé. Quoi? Quand il entre maintenant avec ses amis, là, voici ses amis. Voilà le ministre là-bas, assis là-bas. Son père se lève et dit oh, félicitations, tu as passé le concours de CUS. Son ami, son fils aussi dit que mais, papa, je n'ai même pas composé. Et qui n'a même pas composé. Donc c'était des formalités. En tout cas, même le fils du président a aussi passé l'école, l'ENA. Il n'a rien dit, il a passé. N'est-ce pas, vous le voyez aller fréquenter? Il fréquente, non? Allez le voir encore là-bas. Lui-même, il a dit, c'est pas vrai? Parce que ce n'est pas sa position. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Vous ne pouvez pas imposer quelque chose. C'est un signe que cette famille doit faire attention. Préparez-vous à quitter. Vous avez fait du mal, ne faites pas cela, ne faites pas du mal à ces enfants-ci. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc, c'est tout simplement le manque de direction. Pourtant, la voix de Dieu en train de parler. Que voici la direction. Voici la direction. Les gens qui sont avec là-haut, oh monsieur, je t'aime, on ne peut rien te faire. Quand on fait pas. Vous avez vu les gens qui soutenaient Gbagbo, non? Quand on fait pas, vous les avez vus? Donc, faites attention. Les soutiens de Simagri d'hypocrisie. Si Dieu ne te protège, tout ce que les gens font là-bas, vous pouvez être avec 400 millions de personnes. On a vu Israël, avec 16 personnes, ont vaincu les gens. Avec 300 personnes, ont vaincu les gens, avec 200 ministres. Donc, en dehors du visible, il y a l'invisible qui combat au milieu des visibles. Alors, ce que je dis ce soir, c'est que le pouvoir de gouvernance humaine est supplanté par le pouvoir divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour le cas du Cameroun, dont la voix parle depuis, repentance. Donc maintenant, l'un n'est plus non seulement la repentance, mais au changement du régime. Il faut qu'on prie pour la zone des turbulences que nous allons traverser. Il y a beaucoup de sang innocent versé. Beaucoup de sang innocent. Beaucoup de choses, des crimes qui ont été faits. Ça ne peut pas rester. Vous pouvez faire comme ça, vous avez le pouvoir. Hein. 2 ans, 3 ans, 4 ans, Satan sait très bien que lui-même son temps est petit. A quand même fait raison dans ce qu'est les gens qui vont le servir. Satan ne peut pas donner quelque chose de permanent. Mais Jésus, notre Seigneur, donne ce qui est permanent jusqu'à la vie éternelle. Et c'est justement ce qu'il donne qui est permanent que les gens refusent de comprendre. Parce qu'en fait, ce n'est pas selon leur conception.
qu'un être humain qu'on nomme dans un poste de responsabilité, en l'espace de 4 mois, il a 4 immeubles. Vous regardez l'évaluation d'un immeuble, on dit que c'est dans les 900 millions. Vous regardez son salaire, c'est 200 000 francs CFA. Vous posez la question. Des questions doivent être posées. Vous posez la question. Qu'est-ce qui pose problème pour que l'article 66 ne soit pas respecté? Quel est l'intérêt? Pourquoi on a mis cela un papa à respecter? C'est l'esprit de l'époque. Ce n'est pas fait pour cette époque-ci. Parce que c'est fait pour cette époque-ci. Tout le monde est prisonnier. C'est l'esprit de l'époque qui fait que la constitution ne soit pas respectée. Parce que si l'article 66 doit être respecté, tout le monde est prisonnier. Tout le monde. Alors, ça sera respecté, mais pas maintenant. Alors, chacun va commencer à s'arranger maintenant que, maintenant, comme on a dit que c'est respectable, je m'arrange. Tes impôts étaient comment? Mais directeur des impôts vient de redresser, même faire des redressements fiscaux. Il faut qu'il commence à payer mes impôts normalement. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? C'est ça l'ancien de la question. L'esprit de cette époque-ci qui a donné l'initiative pour pouvoir faire ces choses-là, ce n'est pas l'esprit de l'application, c'est l'esprit de la préparation pour ceux qui doivent appliquer. C'est pour cela l'ancien de la question. Donc, c'est pour ça que ces choses ont été mises sur place jusqu'à le conseil constitutionnel. Il faut qu'il y ait des bases pour que la volonté du Seigneur entre en action. Je remercie Dieu que cette chose, qu'il l'ait maintenue jusqu'à ce que ce conseil constitutionnel se vienne. Parce que quand il regardait, il battait, il avait ça de l'esprit du puits, il dit, après le conseil constitutionnel. En fait, je savais que quelque chose devait arriver, mais il ne fallait pas que cette chose arrive avant le conseil constitutionnel. Parce que si ça arrivait avant le conseil constitutionnel, on ne serait même pas là de prier maintenant. Alors quand tu as maintenu ça jusqu'à ce que c'est de sortir que le conseil constitutionnel, on dit, ouf, maintenant il peut se reposer. Donc la base est là, claire. Pour qu'il n'y ait pas de problème assez grand. C'est pour cela. Donc Dieu aime le Cameroun. C'est pour ça qu'il vous disait depuis des années, après le conseil constitutionnel. Donc le conseil constitutionnel est censé venir. C'est ça qui va être le point de chute. Quand c'est là, il va quitter la scène. Ça, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une philosophie. C'est ainsi dit le Seigneur partira. Mais puisse le nouveau gouvernement qui sera là puisse écouter la voix du Seigneur. Observez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, un homme nommé Corneille, centenier. La Bible déclare que c'est un homme centenier, respectable, qui craignait Dieu. Mais maintenant, je vais vous donner quelques points là-bas dans son passage. C'est que l'ange entre chez lui. Il voit l'ange en vision. Il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'est souvenu. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre, parce qu'on dit clairement, il est Dieu qui paye les gens, chacun selon ça, selon ses œuvres. Ce que Corneille faisait, Dieu avait l'œil là-dessus. Ce que Corneille faisait, s'il le faisait pour être vu des hommes, Dieu avait l'œil dessus. Mais il ressort clairement que le culte que Corneille offrait à Dieu était sincère et pur. Qu'il ne faisait pas, il ne rendait pas son culte pour être vu des hommes et pour être élevé au milieu des hommes. On dit de lui que c'était un homme pieux. Mais il était italien, de la cohorte dit italien. Il était pieux. Donc ça veut dire qu'il respectait le Dieu des Juifs, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Deux, il était quelqu'un de haut gradé, un capitaine qui avait des gens à son service, centenier. Donc il avait au minimum 100 hommes qu'il commandait. Quand l'ange entre chez lui, l'ange sait que c'est une autorité. Il lui dit, envoie des gens à Joppé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit, va, et la personne part, viens, et la personne vient. Il n'a pas dit, va à Joppé chercher Pierre. Vous voyez que dans le ciel, on connaît l'autorité sur la terre. Il dit que va, envoie à Joppé chercher un Simon nommé Pierre. Il est logé, c'est un autre Simon courroyé près de la mer. Là, je donne la description. Quand ça se passe, Corneille ne dit pas qu'il a rêvé. Non, il a dit qu'il a vu clairement. Il envoie, il appelle à Joppé, il envoie. La personne vient. Souvenez-vous de ceci. L'apôtre Pierre a reçu l'ordre du Saint-Esprit. Si vous lisez le chapitre 10, quand il était déjeuné, sur la toiture, alors qu'il a eu cette, il est en extase, le Saint-Esprit lui dit, pendant qu'il a de méditer sur la vision qu'il a eue, la Bible déclare, l'Esprit lui dit, va, il dit, lève-toi, descends, et va sans plus tarder, car ces hommes-là, c'est moi qui les ai envoyés. Or, ces hommes qui sont venus pour chercher Pierre chez un Simon Corailleur, c'est Corneille qui les a dit, allez me chercher Pierre. Mais le Saint-Esprit dit à Pierre que c'est moi qui les ai envoyés. Je veux que vous compreniez ce que j'en ai dit ce soir. Dieu gouverne dans le règne humain. Alors quand Corneille a dit, toi, allez, je peux me chercher Pierre, ce n'est plus Corneille qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui les envoyait. Vous voyez cela? Il dit que va promptement avec eux, parce qu'il dit sans hésiter. Il a dit sans hésiter, et parce que c'est moi qui les ai envoyés. Il n'a pas dit parce que c'est un Corneille qui les a envoyés. Je veux que vous compreniez la chose. C'est moi qui les ai envoyés.
Vous avez vu le Saint-Esprit parler à ces gens-là? Ils connaissent même qui est le Saint-Esprit. Où se trouve cachée la voix du Saint-Esprit derrière la voix de Corneille? Où se trouve cachée la voix du Saint-Esprit dans Corneille? Le va que l'ange a donné à Corneille. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors quand quelqu'un dit, ainsi dit le Seigneur, il n'a pas quoi que ce soit. La voix est portée, le Saint-Esprit fera ce qu'il va faire avec cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand Pierre se lève, souvenez-vous, l'ange, le Saint-Esprit a dit, lève-toi, descends et va avec eux sans hésiter. Trois choses sont dites. Pierre se lève, descend, il dit, qui est-ce que vous cherchez? Il dit, c'est moi l'homme dont vous cherchez. La Bible déclare, Pierre les a logés cette nuit-là, c'est le lendemain qu'il est parti. Pourtant, le Saint-Esprit a dit, va sans hésiter. Donc, ils sont dormis, ils ont resté là-bas dormir pour aller le lendemain. Pendant qu'ils dormaient, frère, le ciel et la terre étaient scotchés entre les lèvres de l'apôtre Pierre. Il fallait qu'un homme dise les paroles du Seigneur pour que toute une famille et les amis soient sauvés. Dieu était obligé de les garder en vie ces jours-là. Pour qu'ils viennent dire la parole, le Saint-Esprit descend. Imaginez bien ceci. Les hommes de Dieu sur la terre. Gardez cela à l'esprit. Pierre marche en route. Quand ces gens-là quittent de Césarée pour revenir à Jopé, Satan a entendu, quand l'ange vient, un ange n'est pas sorti du ciel, venu sur la terre, partant, sans que Satan ne sait que quelqu'un était là. Pas vrai, frère? Parce qu'il bagarre d'arriver ici. Et il rentre en bagarrant. Et on sait exactement la maison où il est parti. Satan n'est pas venu dire que toi connais, c'est toi qui me dérange chaque jour. Tant, tant, tant. Il n'a pas fait ça. Il pouvait le faire. Il n'a pas fait. Il pouvait utiliser les représailles. L'ange n'est pas venu comme ça, parlant en langue. Il dit, baba, de peur que Satan entende ce qu'il a donné comme message à Corneille. Pas vrai, frère? Quand il est parti, Corneille n'a pas dit que je couvre ce lieu par le sang de Jésus, je ferme les oreilles des esprits pour dire que toi, va appeler Pierre de façon secrète. Dis-lui ça à l'oreille. On a des problèmes au milieu chrétien. Il lui a dit le message, parce que quand Dieu veut faire, personne ne peut empêcher. Amen. Il lui a dit, j'étais ici à 15, j'étais en train de prier, j'ai vu clairement un ange. Par exemple, les esprits entendaient, frère. Toutes les cohortes sataniques entendaient, mais ils ne peuvent pas enseigner à empêcher. Quand il finit de dire, les gens s'y prennent la route pour marcher. Satan peut causer les accidents, frère. Il n'a pas pu tuer ceux-là, parce qu'ils doivent arriver là où le Saint-Esprit les envoie. Quand il finit, il dit à l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre aussi dort. Il peut faire que le feu brûle la maison. Il avait envoyé le vent pour détruire le garde chez Job. Ça a tué ses enfants, pas vrai? Là-bas, le vent là, n'était pas possible. Quand il finit, le Pierre se lève le matin, il part. Tout le monde est assis. Il marche des Jopé jusqu'à ses arrêts, près de 100 km. Satan pouvait lui faire quelque chose, n'est-ce pas? Il n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce que le ciel avait endossé la responsabilité sur l'apôtre Pierre et tout le ciel avait le regard sur lui. Les hommes envoyés de Dieu. Alors, la vie de cette précieuse personne était entre le bout de lèvres de l'apôtre Pierre. On dit, il doit entrer. Quand il doit entrer, c'est à ce moment-là, quand il va finir de dire, vous serez sauvé. Alors, je pose la question, quelle est cette parole? Qu'un ange du ciel est obligé de descendre pour faire dépêcher un être humain fait de chair, pour qu'il dise, quand il dit, les anges aussi sont là pour essayer d'écouter ce qu'il a dit. Gardez-vous cela à l'esprit. Le ainsi dit le Seigneur. La parole. Quand vous regardez là-bas, Pierre n'a pas dit quelque chose de compliqué. Pas vrai? Quand il regarde les gens, il dit, mais sont les païens ici. En réalité, je reconnais qu'en toute nation, que si quelqu'un fait quelque chose que Dieu aime, mais normalement, si quelqu'un fait quelque chose, Dieu avait lui, non? Il a fait sortir que tout Israël l'a amené, il l'a amené, il l'a amené, Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il arrive à un niveau de ne pas le Saint-Esprit descend sur lui, dit, mais lui-même, il est étonné. Voilà ce qu'il fallait dire pour que les gens soient sauvés. Pourquoi l'ange ne l'a pas dit? Alors vous voyez l'intervention de l'ange dans le règne humain pour le salut d'une famille. Envoie à Jopé. Quand il finit ça, il rentre au ciel. Il a quitté le ciel, traversé des milliards, des centaines de milliards de kilomètres pour venir dire ça, qu'envoie à Jopé. Il envoie, il rentre. Donc ça entre vous sur la terre. L'apôtre Pierre parcourt 100 kilomètres pour venir dire cette parole-là. Quand ils sont sauvés, le ciel se réjouit. Le règne humain mélangé avec le règne céleste. Donc Dieu intervient toujours dans le règne humain. Toujours dans le règne humain. C'est la Bible. Dans le psaume 2, il dit pourquoi les nations se liguent-ils contre son Seigneur, contre son roi. Donc, ça veut dire que les rois de la terre ont toujours fait des choses contre Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter les lois pour essayer de challenger la loi de Dieu. Dites n'importe quoi à l'école, mais essayez de dire maintenant que c'est la Bible. Il y a des gens qui vont enseigner sur les notions bibliques en classe, ils seront persécutés. Mais vous pouvez dire n'importe quoi, enseigner la vérité, enseigner n'importe quelle philosophie, on ne dit absolument rien. Qu'est-ce qu'on a de faire? On challenge Dieu. Mais peut-on challenger Dieu indéfiniment? Non. Peut-on le faire indéfiniment? Non. Le moment qui est en train d'arriver là, en tout cas vous allez voir dans la nation, je vous ai dit, j'ai vu déjà aller au travail, déposant les malades, s'agenouillant pour louer le Seigneur.
Je vous ai dit ça, c'est depuis 3 ans. C'est devant nous. J'ai vu entièrement des marchés bloqués, entièrement des carrefours bloqués pour célébrer le Seigneur. Et ça, pas que quelqu'un a organisé. Pas que quelqu'un a organisé, que le Saint-Esprit a organisé sa réunion. Et les gens sont allés se convertir. Frère, nous avons un grand Dieu à servir. Alors le Cameroun a besoin de la repentance, repentance profonde, faisant notre vie. Maintenant, pendant que vous allez travailler dans cette repentance, travaillez déjà, préparez-vous pour votre cœur. Parce que lorsqu'on ça va finir, ils seront en train de faire, si Dieu nous donne la grâce, qu'il y ait des réunions, là, préparez votre cœur pour réceptionner ce qu'il en est. Donc, fouillez dans votre cœur les choses que vous faites. Ne permettez pas que quelqu'un vienne vous mal parler de quelqu'un. Ça, c'est une pierre d'achoppement. Ce sont les mauvais semences que vous avez dans votre vie. Vous ne pouvez pas marcher avec ça. Éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de cela. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, allez le voir, réglez le problème. D'accord? Ne permettez pas ces semences-là en vous. Ne permettez pas. Quand vous vous réunissez, vous avez dit, bon, telle affaire, fermez la soupape. Prions pour lui. Ne faites pas cela. Sinon, vous allez marquer. Vous manquez quelque chose qui va arriver là. Cette pluie-là, je plains votre sort. Donc faites attention, ne permettez pas à une mauvaise séance. Donc quand on va finir avec le Cameroun, le 31 juillet, à partir du 1er août, nous serons avec l'église. Si le Seigneur permet, si nous sommes ici au pays, nous serons avec l'église. Concentrez-vous maintenant sur votre vie personnelle. Laissez la, si vous suivez l'actualité politique, suivez seulement ce qui va arriver, ce qui va être dit ici. Alors, concentrez-vous sur votre vie spirituelle. Demandez au Seigneur de vous nettoyer et de vous rendre capable de toute bonne œuvre. D'accord? En ce moment, on va entrer dans le travail pour l'église. Il faut que le cœur soit bien fouillé. Mais chacun que la semence puisse y tomber. Nous aurons le réveil. Nous aurons le réveil. Ce n'est pas maintenant une option, c'est ce que Dieu a décidé. Nous aurons le réveil. Et le réveil, ça va vraiment réveiller. Je n'ai pas dit que vous allez veiller pour nous prier toute la nuit. Ce n'est pas ce que j'en ai dit. Le réveil, ce n'est pas ça. Le réveil, c'est un état où Dieu vient visiter les hommes, se manifestant dans sa puissance pleinement. Ça arrive. Et donc, quand on aura cela, vous allez savoir maintenant les questions que vous me posez chaque fois que quelle est ma place. On ne doit pas vous dire quelle est ta place. Tu vas faire ta place. Vous allez savoir de quoi il est question. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Le règne humain dominé par le règne de Dieu. Bonne soirée. Amen. Ça va, ma soeur? Bienvenue. Ça va? Comment ça va, Loupé? Ça va. Tu as maintenant la joie de vivre, n'est-ce pas? Ça va aller. Maintenant, tout ce qui se passe maintenant, reste calme, d'accord? Ne te concentre pas sur la prière de guerre. Concentre-toi sur la vie spirituelle en nettoyant. Le Seigneur s'occupe de cela. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Même si quel que soit le mauvais, même si quel que soit le challenge qui arrive, ne crains plus rien. Dis-toi que le Seigneur a dit, il s'occupe de mes batailles. Donc, sois fort par rapport à ce qui est arrivé pour ta belle-mère. Et même, non seulement la belle-mère, il y a un homme qui aura des sérieux problèmes. Ou bon, c'est la mort qui l'attend. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, jeune fille. Mais celle-ci est venue en dernier lieu, elle dort plus que tout le monde ici. Donc, mon cher. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le l'univers crie sa majesté.
la vie qu'il a donné, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance pour moi. Tous les anges de sa salle chantons la puissance, force.